Une tonne son pour 250 chevaux, l'Alpine A110 de la gendarmerie débarque sur l'autoroute A51, un véhicule d'intervention dont le compteur peut monter très rapidement. Elle est bridée à 250 km/h, mais ce qui est surtout un plus pour ce véhicule, c'est le 0 à 100 qui est pour ce véhicule en 4 secondes 2. Alors que la Mégane RS, ce qui a été remplacé par l'Alpine A110, elle, le 0 à 100, on était en 5 secondes 9, malgré qu'elle soit plus puissante, mais elle était aussi beaucoup plus lourde. Une voiture rapide dont la mission principale est ici de lutter contre les excès de vitesse. L'intérêt de cette voiture, c'est d'abord ses capacités d'accélération, ses capacités de vitesse et également son autonomie qui est assez importante et donc qui est en mesure de pouvoir suivre sur une distance plus longue que celle des motos, une voiture qui irait vraiment très vite. Grâce à ce bolide, les forces de l'ordre vont désormais pouvoir rapidement stopper les infractions. Un outil doté de plusieurs fonctionnalités. On va faire comprendre à la personne, au contrevenant, le but de son interception. Donc, du coup, j'ai un panneau à messages variables. Voilà, là, je viens de l'ouvrir. Là, on a plusieurs messages préprogrammés en plusieurs langues. Un moyen efficace et dissuasif que vous risquez de croiser de plus en plus. Une Alpine A110 qui vient renforcer l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence.